aujourd'hui, je viens vous présenter une nouvelle recette, la salade de pommes de terre avec du blanc, du poulet et des œufs. Et pour notre recette là, j'ai pris 6 pommes de terre préalablement pré-cuites. Là, j'ai un oignon, j'ai des assaisonnements pour la salade, j'ai une tranche d'ail et là, j'ai 3 œufs, 150 g de blanc de poulet, poitrine de poulet de préférence préalablement pré-cuite et aussi nos petits pois. Pour l'assaisonnement, j'ai besoin de l'arôme magie, du poivre noir, de la salade, la crème de salade et du vinaigre. Notre marinade est enfin prête. Elle contient 4 cuillères à soupe de crème de salade ou de la mayonnaise, cela reste au choix. Elle contient de plus une cuillère à soupe d'huile végétale, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, une cuillère à soupe de l'aromagie, une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à café de poivre noir, de l'herbe de province et une demi-cuillère à café de sel. Nous allons venir mixer tout ça, mélanger tout ceci. Voilà, notre salade est enfin prête. Je vous rassure que c'est une tuerie. Tellement bon. J'ai rajouté nos 70 g de petits pois et aussi encore après 2 cuillères de crème de salade ou de mayonnaise comme j'ai dit préalablement. Voilà, notre salade est enfin servie avec un morceau de pain. Vous pouvez ajouter aussi des sauces, cela reste au choix. Et cela est très facile à conserver au réfrigérateur de préférence. C'est une salade froide. C'est tellement bon à réessayer. Je vous le conseille vivement. Bon appétit!